Ah, bonjour à vous, les petits-enfants. Salut tout le monde, c'est Vince. Alors aujourd'hui, nouveau test de jeu rétro. Alors franchement, alors je sais pas si vous connaissez ce jeu et pourtant... Et pourtant, je suis, mais franchement, mais un petit peu partagé entre le what the fuck et l'amusement total. Alors, le jeu se nomme Pourri Loup, si j'ai bien noté son nom. Un petit jeu de beat'em up mettant en scène un espèce de petit magicien qui ressemble un petit peu à une sorte de Harry Potter du pauvre, si je peux dire, qui doit débarrasser le monde, son monde. Avec une invasion de créatures. Alors, pour l'instant, je suis en train de bastonner des robots. Alors, les ennemis, vous les tuez pas et vous les mettez pas KO, vous les transformez en animaux. Ah, on descend par les égouts. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Probablement les tortues ninja, je sais pas. Ah, attendez, qu'est-ce qui se passe? Ah, it turns the time wheel. Ah, d'accord, visiblement, il y a un mec. Ouh, qu'est-ce que c'est? Ah, d'accord. Super, super, c'est génial. Je viens tout juste de descendre et là, je suis en train de me fighter contre un ventriloque, et je lance une super attaque. Ah oui, donc comme je vous disais, les ennemis, vous ne les tuez pas, vous les transformez en comment dirais-je, en animaux. Bah là, par exemple, là, j'ai transformé pas mal de sbires, comment dirais-je, en plusieurs animaux. Ça va à l'encontre des chiens, des chats, des oiseaux, on peut même les transformer en ornithorynque. Ah, le temps s'est arrêté. Ah, mince alors. Bon, ok, bon, vous l'aurez compris, il s'agit d'un beat'em up où on contrôle un petit magicien. Enfin, oui, c'est un magicien, puisqu'il y a le mot magique juste là, et vous devez traverser ces 6 niveaux pour vous débarrasser des intrus qui ont envahi votre monde. Voilà. Ouais, ce jeu, franchement, il est bien, mais c'est vraiment un sous-cartoon. Ah bah super, bah voilà, encore des robots, et voilà, comme je viens de vous dire, une fois que vous avez transformé tous les méchants en animaux, il faut les récupérer. Bah là, par exemple, là, j'ai transformé un en cochon. Et quand vous les transformez en animaux, vous devez les récupérer. Et quand vous les récupérez, ça donne des points. Allez, super, voilà, j'ai trouvé en ce moment chien, voilà. Ok, on continue, voilà. Bon, le jeu, ça va être amusant, ça va. Bon, c'est un jeu un petit peu bizarre, mais bon, ça va. On n'a pas vu pire. Allez, on continue. Bon, alors, je compte faire d'autres tests sur ce jeu. S'il le faut, je diviserai la vidéo en deux parties, si possible. Allez, parfait. Qu'est-ce que c'est? D'accord, il y a une espèce de clown qui nous balance des... Oh, super, c'est mignon! J'ai transformé ce petit clown crasher en poussin. Oh, comme ils sont mignons! Oh, franchement, le jeu est sympa. D'accord, c'est peut-être pas un petit jeu beat'em up assez... Oula, merde. Ah, merde, je suis mort. Là, c'est pas grave, c'est vrai, je vais ressusciter. Voilà. Allez, on le castagne. Oh, mais je l'ai transformé en cochon. Mais oui. Oula, qu'est-ce qui se passe là encore? Oula, je tombe. Oh là là, qu'est-ce que c'est? Ok, je n'ai aucune idée qui est ce personnage. C'est quoi? C'est un travelo? Oui, ça m'a donné d'être un travelot. Oula, et il me balance des rayons, voilà, et... c'est fou à quel point, mais le jeu est ridiculement facile, parce que quand les ennemis, vous les bastonnez, mais ils font pas un pli, hein. Ah non, ils font pas du tout un pli, hein. Ok, j'ai fait le niveau 2, maintenant on va s'intéresser au niveau 3. Ah non, mais je compte le terminer, ce jeu, je vais pas... Oh là. Bon, vous l'avez compris, ce jeu est sorti sur arcade. Oh là, lui, il fait peur avec les cheveux bleus, là. Hein. Et qu'est-ce que vous faites, madame? Oui, bah, pas le temps pour les dialogues, s'il vous plaît. Mais qu'est-ce que vous faites, madame? Oh, mais qu'est-ce que vous faites? Vous faites quoi, le drapeau? Ou la gym? Oh, je sais pas. Bon, alors, ce jeu est sorti sur arcade. Mais il est aussi sorti dans d'autres supports de l'époque, notamment sur Sega Saturn, si j'ai bien noté... Voilà, qu'est-ce que c'est? Voilà, j'ai rien compris. Ok, on tabasse, on les transforme, voilà, et on les transforme en animaux. Bon, alors, les seuls animaux que vous allez croiser seront souvent des... Enfin, une fois que vous allez transformer vos ennemis, ce sera souvent des chiens, des cochons, des poussins et des ornithorynques. Voilà. Oula, qu'est-ce que c'est? Oh là là, il y a un mec qui me lèche, non mais... Enfin, c'est le tableau qui me lèche. Oula, hé, oh, on se calme. Non, mais dis donc. Oh là là,
Ok, on voit très clairement que c'est un jeu typiquement japonais, et quand les gens font, comment dirais-je, enfin les Japonais font comment dirais-je, des jeux, mais typiquement, mais what the fuck, mais on peut s'attendre à tout. Oh, mais arrête de bouger, toi! Oh là là, mais regarde-moi ça! Oh, je suis mort, vas-y, va te faire. Bon, c'est pas grave, on va continuer, on va pas abandonner. Mais lui, je vais le défoncer, voilà, tiens! Viens faire pour ta gueule! Voilà. Ah, super! Un danseur Kabuki. Voilà. Allez! Oui, alors, ah oui, dans ce jeu, vous pouvez lancer des attaques, hein, notamment les attaques magiques qui vous permettent de jeter des sorts sur vos ennemis. Je préfère regarder ça en ce qui concerne les boss. Et ben voilà, ça y est, je l'ai battu. Mais ce jeu, franchement, je sais pas, je trouve. Il est trop facile ce jeu, je sais pas pourquoi, mais je trouve vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup trop facile. Ok, merci monsieur. Voilà. Voilà, niveau 3 fait. Maintenant le niveau 4. Oh non, mais ce jeu, je vais le terminer en un trait, c'est sûr. Hein. Allez, c'est parti. Ah, super, le désert. Voilà, un robot. Ouais, un ornithorynque. Ou plutôt, un robot que j'ai transformé en ornithorynque. Ouais, je sais pas ce qu'ils foutent là, ces ornithorynques. Je savais absolument pas qu'il existait des ornithorynques au Japon, alors que normalement c'est en Australie qu'on en trouve. Voilà, super, encore des clowns dégueulasses. Voilà, allez, ouais, allez. Non, non, toi tu dégages, toi, hein. Allez! Allez, allez, ouais. Alors, voilà. Ouais, super, voilà, parfait. Ouais, super, oh la plante. Et encore un ornithorynque, yeah! Ah oui, quand vous rentrez en contact avec les ennemis que vous avez transformés en animaux, vous devez les récupérer et ça donne des points. Ouais. Ok, attention. Ah, oh, putain, vas-y. Oh! Non, mais c'est quoi ce guet-apens là, hein? Non, mais sérieux. Ah, oh, super, encore des tiges de bambou qui vous attaquent par surprise. Mais oh! Hey, on se calme, hein? Non, mais oh! C'est quoi cette agression là, hein? Putain, y a l'autre qui me balance des espèces de crottes de nez. Non, mais oh, ça va pas, non? Quelle maturité, hein? Plutôt immédiat. Oh, c'est quoi ça? Une sorcière? Waouh! Oui, alors les ennemis que vous allez rencontrer dans ce jeu sont souvent légion. Ça va à l'encontre des clowns, des sorcières, des espèces de robots. Et là, pour l'instant, là, j'ai réussi à battre une sorcière. Et là, je me fais, mais oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Hé, on se calme, on se calme. Non mais oh! Dis donc! Monsieur, c'est fini, oui! Bon, le jeu, ça va, il est sympa. Bon, ça va, franchement, pour un jeu de type beat'em up sorti sur arcade, je le trouve facile. Mais vraiment d'une facilité déconcertante. Franchement, vous tabassez les ennemis, vous les bolossez, vous leur jetez des sorts. Bon, là, je suis mort, mais c'est pas grave, je vais ressusciter. Ne vous inquiétez pas, voilà. Hey! Hey, tu vas prendre cher. Attends, parce que là il y a un espèce de petit item, je vais voir si tu peux. Ah super, une petite fée, voilà, allez, encore, allez! Un nouveau sortilège, et on extermine comment dirais-je? Ah oui! Comment dirais-je? Ah oui, cet escargot, oui, c'était un escargot. Youpi! Il pleut! Oui, bon, on n'a pas le temps pour les dialogues, désolé. Bon, très bien. Ah non, mais ce jeu, mais je vais le finir! Je vais le finir! Et en plus, ça va! En plus, il ne contient que 6 niveaux! Ça va! Oh, déjà, quelque chose me dit que je vais le finir, mais en un trait! Hein.